tout cas, bon, c'est là il dit, et alors maintenant il y a aussi Abba Veima, Ve Israël Saba, alors, et Tvuna. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces termes-là, au niveau des Parsoufim. Israël Saba, c'est la partie de Malchut de Abba. On a le Parsouf Abba, tout ça c'est. Ça c'était un Parsouf, d'accord ? Que je prends là, en haut, j'en ai un, si je prends Abba, c'est ça. Maintenant Abba, lui-même, il a aussi un Parsouf. Malchut devient un Parsouf, qui s'appelle Israël Saba, le grand-père. Et on a un autre Parsouf, maintenant je prends Ima, le côté mère, on a un Parsouf, c'est celui-ci, qui s'appelle Tevuna. Tevuna, ça vient de la connaissance, sagesse. Hein. Mais Avin, Mévin, Tevuna. Hein. C'est un féminin aussi, hein, mais c'est pas comme Malchut, c'est toujours en bas. Mais c'est Malchut de Ima. Et ça, ça a une fonction spécifique. Quand on parle de Parsoufim, c'est comme si ce sont des macrocosmes, on va dire, énergétiques, qui jouent une influence singulière dans l'organisation du monde.